Alors Yazid, pour commencer, fermez les yeux et souvenez-vous de cet été 1994. Il faisait beau, il faisait chaud. Et sentant déjà le sable brûlant sous nos pieds, on se rappelle des tubes qui ont bercé notre jeunesse. Si, si, rappelez-vous. Quatre musiciens venus du froid, deux filles, deux garçons. Une petite idée, Yazid ? Non. Rien ? Rien. Oh, deux blonds, deux bruns. Mais je sais que vous l'avez deviné. C'est bien le groupe suédois SAVACE. Yes. La chanson est d'un Turn Around, qui est en fait une reprise de Tina Turner, chantée pour la première fois en 1986. Alors, pour avoir une petite idée de ce à quoi ressemblait la version originale, je vous propose d'écouter ce petit extrait pour ensuite savourer la chanson reggae, qui est plus adéquate pour l'été. Voilà, donc c'était Ace of Base avec Don't Turn Around, mais nous allons tout de suite lancer la version originale avec Tina Turner. Voilà, donc bon dans le temps et dans l'espace. L'univers métissé du jazz nous offre les plus belles couleurs et ambiances de la musique américaine. Des chanteurs hors pair, des divas parmi lesquels se trouve Nina Simone à la voix envoûtante, qui, en 1965, chante Feeling Good. Petit aperçu de ce joyau avant de changer complètement de registre. And I'm feeling good. Voilà tout de suite la nouvelle version de Muse, groupe anglais qui en 2002 a su donner une version toute particulière. Avec la réinterprétation de cette chanson pourtant mondialement connue, le groupe a su la teinter de couleur rock. Accrochez-vous, laissez-vous transporter par les muses. C'était Muse avec Feeling Good. Heureuse de vous retrouver pour un nouvel univers musical. Mais, mes chers auditeurs, où êtes-vous ? Réveillez-vous, les jeuneurs, ce n'est pas l'heure de la sieste. Je vous promets qu'avec la prochaine chanson, vous allez bondir, car le rythme effréné ne vous laissera guère le choix. Qui ne connaît pas la célèbre chanson What a Wonderful World de Louis Armstrong ? Le fameux trompettiste de jazz qui interprète le morceau pour la première fois en 1967. La chanson a connu bien des versions et des chanteurs. Mais je vous propose maintenant avec Joey Ramone une version qui aura, j'espère, le mérite de vous convaincre que le monde est si merveilleux en punk. I see trees of green, red roses too. Maintenant la version punk. Chers auditeurs, vous êtes bien sur 88.4, Alger-Chin 3, la radio la plus déjantée. Et vous venez d'écouter Joey Ramone avec What a Wonderful World. Ne désespérez pas si ma prestation touche à sa fin. S'il vous plaît, soyez forts, allez quoi, un peu de courage. Ça a été un réel plaisir d'être en votre compagnie et j'espère sincèrement que l'expérience sera renouvelée. Sur ce, je vous souhaite une très agréable fin d'après-midi et n'oubliez pas de liker.